tour de pénalité à parcourir pour elle. On suit la Finlandaise Marie Eder domicile, et juste derrière elle, il y a Stina Nilsson, dont vous voyez le chrono. Là, elle n'est pas encore passée sur le pas de tir. Stina Nilsson, elle aussi, a un dossard élevé, le 67. Allez, dans son premier tour, bien dans les temps sur les skis, avec un 9 ou un 10, elle jouera elle aussi certainement. La zone mixte, en suivant évidemment le pas de tir en double fenêtre, c'est Justine Brezaz-Boucher qui est avec Tanguy Kerouas et Pierre Esquer. Oui, Justine, c'était bien parti avec un bon tir couché. On a senti que les temps de ski étaient bons. Puis finalement, sur le tir debout, ça part bien aussi. Et ça se délite, c'est quoi, troisième et quatrième balle, je crois, qui s'échappe. Oui, c'est ça. Ouais, non, j'étais vraiment bien installé sur le debout. Et c'est des balles qui sortent alors que je suis en face du noir et je dois faire des erreurs de maintien de l'arme au départ du coup, parce que elles me surprennent. Et je suis dégoûté. Parce que ça pouvait faire vraiment quelque chose de beau aujourd'hui. Alors après, ça reste une belle course avec. Enfin, ça reste une belle course, une course correcte, disons. Avec beaucoup de bonnes choses. Je me sens très bien sur les skis, je te coupe la parole, pardon. Non, j'ai pas parlé. Non, mais on voit qu'en plus, ça s'empile sur les temps et que c'est très serré comme course. C'est hyper serré, c'est ça qui est encore plus. Plus énervant une fois qu'on a défendu. À 10 secondes de Denise Herrmann, Stina Nilsson, elle a jamais fait mieux qu'une dixième place. C'était sur la poursuite d'Orfilsen en début de saison. Elle peut faire mieux que dixième si elle réussit le 5 sur 5. Elle s'était qualifiée pour les Jeux Olympiques, mais là aussi elle a dû patienter et être remplaçante. Allez, il faut la mettre cette dernière, ça peut jouer encore pour le podium si elle arrive à la mettre dedans. C'est le cas, allez, vite repartir, mettre le plus vite possible les bâtons pour aller en direction de la note pénalité. Et comme je le disais, les deux anciennes fondeuses qui brillent aujourd'hui, le jour où Thérèse Jaug, la grande championne norvégienne, annonce sa fin de carrière et vient de terminer sa dernière course. Peut-être un signe, on verra en tout cas à combien elle va ressortir une fois qu'elle aura terminé son anneau de pénalité. Stina Nilsson, quelle réaction derrière la carabine avec cette dernière balle pour laquelle elle s'est reprise, qu'elle a réussi à faire tomber la cible. Donc Stina Nilsson qui ressort avec combien de temps? Plus de 7 secondes, presque 10 peut-être, parce qu'il est juste là à l'intermédiaire de sortie du pâtir. 11 secondes très exactement, 6e à la sortie de ce pâtir pour aller chercher donc la meilleure perf de sa carrière sur la piste. Mais à 9 sur 10, bah, ça va continuer à nous promettre des écarts quand même très faibles. Regardez déjà. Ça c'était à la sortie du deuxième tir, mais sur la ligne d'arrivée c'est sensiblement pareil, 5 secondes d'écart. De plus en plus rapide, donc elle peut être inquiétante hein, quand même. Elle est capable de repasser pourquoi pas devant Anna Heuberg, sa compatriote. Alors pour ça il va falloir engager dès le début de ce tour et regarder, 7 secondes de retard, 0,6 pour Anna Heuberg. Si elle passe sur l'intermédiaire en moins de 5 secondes, ça va le faire pour Stina Nilsson pour essayer de se bagarrer pour son premier podium, et elle est en train de repasser devant. C'est la sensation de cette fin de course avec son dossard 67. Stina Nilsson qui pourrait signer le premier podium de sa carrière en biathlon. Elle qui a vraiment fait cette reconversion éclair dont on a suivi toute la préparation déjà à Östersund. Là ça va faire du bruit en Suède hein, si elle arrive à aller chercher ce podium. 36e, Dorothea Wierer elle est 15e sur la ligne d'arrivée. Toujours avec Stina Nilsson. Stina Nilsson elle est donc passée devant Anna Heuberg, mais pourquoi pas aller chercher Thierry Lekhoff, qui est seulement combien de secondes, 4 secondes très exactement sur le dernier intermédiaire devant la Suédoise pour Thierry Lekhoff. Elle peut les reprendre les 4 secondes, surtout que Thierry Lekhoff avait perdu un peu de temps sur cette partie. C'est à la relance ensuite que la Norvégienne a réaccéléré. C'est là qu'il faudra que la Suédoise soit solide pour se battre pour la deuxième place. Juste avant la relance, il va y avoir l'intermédiaire du 6.8 qui est en haut de la montée, avant la relance, avant la redescente. Alors est-ce qu'elle va aller chercher le score, le chrono de Thierry Lekhoff, celui d'Anna Heuberg, et elle était devant déjà tout à l'heure. Ah, ça va jouer face à Thierry Lekhoff, elle est repassée devant. Mais je vous l'ai dit, Thierry Lekhoff a été capable de réaccélérer ensuite dans le dernier kilomètre. Elle a fait un super finish. Il faudra que Stina Nilsson soit parfaite de ce côté-là si elle veut rester devant la Norvégienne, car il n'y a qu'une seconde, même pas,
entre les deux. Qui vient nous faire coucou en même temps. Alors, est-ce qu'elle est supportrice ou adversaire de Stina Nilsson? En tout cas, elles se battent toutes les deux pour être sur le podium. Et surtout, nous, on va voir si ça tient face à Thierry Lecoff. Elle était repassée devant entre Thierryl et Anna Heuberg. Il y a 1,8 seconde. Donc, Stina Nilsson, elle n'a vraiment pas le droit à l'erreur. En 2 secondes, elle peut tout perdre. Et la ligne d'arrivée est juste là pour Stina Nilsson, à 28 ans, qui n'a jamais signé de podium en biathlon. L'ancienne fondeuse, l'ancienne grande championne de ski de fond en Suède, qui pourrait éjecter du podium sa compatriote, sa coéquipière Anna Heuberg, pour l'instant toujours 3e. Elle ne sera pas devant Denise Hermann, si on le savait. Est-ce qu'elle sera devant Thierry Lecoff? C'est la sensation du jour, le ski qu'elle jette juste derrière, à 2 dixièmes, à peine à 2 dixièmes de Thierry Lecoff, mais devant donc Anna Heuberg. Premier podium en Coupe du Monde pour elle, au niveau individuel c'est quand même sensationnel. Oui, elle a un tout petit peu hésité au moment où elle a franchi la ligne d'arrivée, elle n'a pas jeté le pied, c'est là qu'elle perd ce petit retard sur Thierry Lecoff, mais aujourd'hui on va surtout applaudir son podium. C'est fort d'être capable de faire ça. Bravo Stina Nilsson et bravo aux entraîneurs également qui ont quand même beaucoup cru en elle tout au long de cette saison. Alors elle a jeté le pied, mais c'est avant qu'elle a hésité un tout petit peu. Ah, c'est quand même fort hein, de sa part d'être capable de faire ça. Ah, les belles images, elle tombe dans les bras de son entraîneur Stina Nilsson qui signe le 9 sur 10 aujourd'hui. 9 sur 10 c'est le score. Magnifique, on l'écoutera au micro de Tanguy juste après cette cérémonie. Anaïs Chevalier-Boucher qui retrouve la cérémonie des fleurs, Anne-Sophie. Ça aussi, ça fait plaisir pour elle. Ouais, avant de voir Anaïs Chevalier-Boucher qui termine 5e aujourd'hui, la montée sur le podium donc de Stina Nilsson à 28 ans pour son 14e départ en Coupe du Monde. Les podiums en ski de fond, elle les connaît bien, mais en biathlon, c'est donc la toute première fois elle qui a disputé ses premières courses en Coupe du Monde depuis le début de la saison. Alors sur le circuit international, elle y est depuis le début de la saison dernière. Elle avait commencé en IBU Cup en faisant le choix de passer du ski de fond au biathlon. Et voici donc le premier podium aujourd'hui, en ce 5 mars 2022. Elle, les podiums, elle les connaît. Qui est passé par le ski de fond également. Également, ouais. C'est un beau podium pour les fondeuses. Denise Hermann qui a fait le choix de partir...